Eh oui, les amis, c'est la fin d'une longue aventure. 5 ans exactement. 5 ans de travail, 7 jours sur 7. Des moments difficiles. Des moments de doute. Mais aussi des moments magnifiques, de pur bonheur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier. Ça y est, je suis libre. J'ai enfin terminé les travaux de ma maison. 5 années de travaux qui se sont terminées le 25 mai. Voilà pourquoi ce mois-ci, les vidéos, ça a été un peu... t'as compris quoi, hein. J'ai tellement donné le mois passé pour terminer les travaux que la semaine qui a suivi, j'ai relâché la pression des 5 ans, mais en un coup, mon corps ne répondait plus. Une moitié de mon cerveau me disait « Lève-toi et marche !» Et l'autre moitié me disait « Reste dans ton lit et dors !» Ben du coup, j'ai dormi. Faut se dire que je me levais à 9h du matin, je déjeunais, à 11h, c'était déjà au lit jusqu'à 15h. Alors ça, pendant 3 jours, mais après une semaine de repos, je suis vraiment motivé à 1000%. D'ailleurs, j'ai déjà bossé sur la chaîne. Vous avez vu l'intro? Et mon polo, dites-moi vos impressions dans les commentaires, et n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. En plus, c'est bon pour mon référencement sur YouTube. Bon allez, je vous montre quelques étapes de la rénovation. Voici ma maison, avec son magnifique dressing et sa spacieuse salle de bain. Bon bah, il faut imaginer aussi, hein. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma femme quand on est allé la visiter. Je pense que c'est pour ça qu'elle a hésité. Et voilà la cuisine. Enfin, on a commencé rapidement à tout casser. On a cassé les murs, refait les planchers, on a fait la plomberie, l'électricité. Ah oui, aussi, un truc pas mal, la toiture aussi. On a fait des cloisons et tout a été plafonné. Enfin, la maison a été rénovée de la cave jusqu'à la toiture. Alors je remercie tous ceux qui sont venus dans la maison pour nous aider, parce que si la rénovation a duré que 5 ans, c'est un peu grâce à vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, sans faute. Ciao !